Cette vidéo est sponsorisée par ClipFlip, l'application qui vous offre de l'argent pour vos vidéos. Bonjour, c'est iPodTouch chez Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Safari Download Manager pour votre iDevice Jailbreakers. Le fait moins 5.0 plus et même le 4.0 plus. Safari Download Manager, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Stadia Store au prix de 5$. Et ce qu'elle permet de faire, c'est comme le titre le dit, c'est ça permet de télécharger des trucs directement depuis Safari. Fait que vous avez plus besoin de votre ordi, le transférer par votre ordi directement depuis votre iDevice. Quand vous naviguez sur Safari, vous pouvez télécharger des affaires et par la suite y avoir accès par iFile. Alors, c'est grâce à la version 2.0 que le développeur vient de sortir. Alors, si vous saviez un petit peu avant, Safari Download Manager jusqu'à ce jour ne fonctionnait pas sur l'iOS 5 à cause qu'il avait sorti le 2.0, il vient juste de le sortir. Fait que là, il est fonctionnel pour l'iOS 5, puis tout ce que vous avez à le faire, c'est acheter, installer, confirmer. Alors, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur Safari Download Manager, mais j'en fais une nouvelle juste pour vous montrer son fonctionnement. Par la suite, admettons que je m'en vais ici, puis on va taper Google en premier. Puis on va écrire, mettons, une musique que je veux télécharger. Mettons Skrillex pour downloader. Là. Admettons Zippy. Quand tu écris Zippy, c'est des musiques que tu peux avoir directement depuis, je sais pas, un site internet de download. Fait que, mettons, on va prendre My Name is Skrillex sur Alkshare, qui est un site de download de musique. Puis là, on attend, on atterrit dessus, et voilà, là, on voit la musique qui est là. Puis, pour le télécharger, normalement, on clique dessus, ici, sur un ordinateur. Alors, si j'appuie dessus, vous allez constater que maintenant, au lieu de pas fonctionner, ça va fonctionner. Ça veut dire, OK, on a détecté que c'est un audio, une piste audio, où tu veux le mettre. Alors là, tu peux décider c'est où que tu veux le mettre, dans Downloads, dans Book, DCIM. Moi, je vais le mettre dans Downloads, tout simplement. Fait que je fais Choose en bas à droite pour dire j'ai choisi ce dossier-là. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est Download. Et le téléchargement va commencer en bas à droite ici. Alors vous pouvez voir qu'il y a une nouvelle icône. Alors là, il est en train de télécharger et la musique va être downloadée au complet sur mon iPhone dans la section Download. Alors quand j'appuie dessus, il va me poser la question, voulez-vous le supprimer, l'ouvrir avec iFile ou l'ouvrir avec TeamViewer? Bien sûr, on l'ouvre avec iFile. Fait que l'application iFile va se lancer et va aller dans la section, dans le fond, document là, qu'on a downloadé, puis on fait Audio Player pour écouter. Et voilà, fait qu'on a téléchargé la musique directement sur notre iPhone. Alors, ça marche avec n'importe quel type de fichier. Si tu downloads un fichier Word, tu vas l'avoir sur ton iPhone, un fichier Excel, tout type de fichier va se télécharger, puis vous pourrez l'ouvrir avec iFile. Alors ça, c'est un avantage avec Safari Download Manager. Bien sûr, il n'y a pas d'icône sur Springboard de votre appareil, mais il y a une section dans les réglages Safari Download Manager ici. Alors là, vous avez la possibilité de le mettre à « On » pour dire « Télécharger fichier », bien sûr. Alors ça, c'est le Max Current Download. Alors combien de fichiers maximum tu peux télécharger en même temps? Alors jusqu'à 5 fichiers, fait que je peux pas en downloader plus que 5 en même temps. Fait que c'est toi qui décides le chiffre, si on veut. Puis là, tu peux décider des custom file type. Mettons les médias, il faut dire ok, quand je download des médias, il faut considérer que les médias c'est du AVI, du Flash, du MP4, du MPEG, du OGG, du WAV, WMA, etc. Fait que même chose pour les images, il faut dire que c'est un JPEG, blablabla. Fait que t'as juste à les activer. J'ai activé ceux pour les affaires audio. Documents, c'est quoi que tu considères comme des documents? Ça, je peux considérer ça comme un document. Les archives, c'est quoi que tu considères comme un archive? Les zip, les points rares, moi je considère tout. Puis ça, c'est les ceux qu'on connaît moins. Alors, tu peux ajouter toujours des customs, là, dire les extensions, c'est IPSW puis c'est des firmware. T'sais. Tu peux décider tes types de download que tu fais. Fait que c'est tout par ici, puis c'est tout pour les réglages de Safari Download Manager ainsi que l'application. Alors, pour Safari Download Manager, je donnerai un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que ben, c'est vraiment pas compliqué. Là. C'est vraiment une très bonne application pour télécharger directement depuis Safari des musiques, films, vidéos, n'importe quoi, directement sur votre iDevice. Fait que moi, c'est pour ça que je l'ai mis 5 étoiles. Là. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette application-là, mais elle vaut vraiment 5 étoiles. Ce qu'il faudrait, c'est la même chose, Safari Download Manager, mais pour Chrome sur iOS, là, ça serait le fun. Fait que tu peux télécharger directement depuis l'application Chrome, mais bon. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis 5 étoiles. Vous, qu'est-ce que vous pensez de l'application? Est-ce qu'elle mérite moins ou 5 étoiles? Juste dans les commentaires, c'était sous sur YouTube seulement. Mettez votre note en étoile. Et c'est tout pour Safari Download Manager, pour votre iDevice 4.0 ou 5.0+. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Abonnez-vous à ma page Facebook, les vidéos d'Alex.
Et finalement, suivez-moi sur Twitter. Merci.